Alors, merci, merci. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'entourage. Quand on veut être un artisan qui veut avoir une bonne carrière, développer une carrière d'artiste à long terme. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt de ton entourage en tant qu'artiste. Voilà, merci de me suivre. N'oubliez pas de cliquer sur la notification pour que pour les prochaines vidéos, vous puissiez suivre quand on les poste. Je fais une série de vidéos et je suis Fanny Gorée. Je suis journaliste de formation, mais j'ai cette passion-là d'aider les gens à développer leur carrière artistique. Et nous avons notre petite société de d'artist development et qu'on appelle cette société, cette compagnie Présence Pro. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de parler de l'entourage quand on est un artiste. C'est vrai que beaucoup de personnes commencent leur carrière d'artiste avec comme pour entourage les personnes qu'ils connaissent depuis leur enfance, les personnes avec lesquelles ils marchent ou elles marchent. Avec ces personnes-là, ils vont avec ces personnes-là dans tout ce qu'ils font, dans les fêtes, dans les soirées. Ils se promènent avec ces personnes-là. Et ces personnes-là font partie de leur entourage en tant qu'artistes. C'est une base que beaucoup de personnes suivent. Et ce n'est pas toujours mauvais pour le début. Parce que dans cet entourage de personnes avec lesquelles on est familier, il y a d'autres qui croient en votre talent. Beaucoup vont croire en ton talent. Ils savent que tu peux avancer, que tu peux arriver, que en tout cas tu es quelqu'un de talentueux et ils y croient en toi. Donc ils vont te pousser, ils vont te booster, t'encourager, t'applaudir et te dire de foncer. Ces personnes-là dans ton entourage, ça peut être tes amis, c'est toujours bon. Même il y en a parmi eux qui vont se self-proclaim, ils vont dire que eux ils sont ton manager par exemple, et beaucoup laissent cela se faire. C'est-à-dire ton ami se lève, il dit que lui il est ton manager, et l'artiste ne voit pas d'inconvénient à cela, l'artiste accepte cela. Donc son ami devient son manager automatiquement. Le rôle du manager, c'est celui qui va t'aider à te développer et à t'établir comme artiste confirmé et d'avoir vraiment une carrière qui est une bonne carrière, une carrière stable, une carrière développée. Et ce manager-là, lui, c'est son rôle. Maintenant, ton ami qui se proclame comme ton manager sans avoir lui-même une formation quelconque, c'est juste qu'il s'est positionné là. Et s'est mis en tant que ton manager. D'abord, au début, il n'y a pas trop de problème. Le problème va venir quand ta carrière va commencer à grandir. Tu vas avoir de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Et toi-même, en tant qu'artiste, tu auras grandi. Ce qui fait que des portes qui vont s'ouvrir devant toi, ton manager qui est là, s'il n'a pas grandi avec toi, s'il n'est pas devenu, il s'est pas développé lui-même, il ne pourra pas tenir devant ce qui est devant vous. Donc c'est dans ce cadre-là que tu as besoin d'avoir un manager, un entourage qui est professionnel, si tu veux aller loin dans ta carrière. C'est-à-dire que maintenant que tu es arrivé un peu en notoriété, tu es devenu populaire. Tu ne peux pas avoir ton entourage. Ça ne peut pas être les mêmes personnes. C'est-à-dire, quand tu vas même au studio, il y en a, au départ, tu avais besoin d'eux. C'est vrai qu'il y a d'autres artistes qui ont besoin d'avoir plusieurs personnes dans le studio quand ils enregistrent pour être motivés. Mais quelquefois, ça peut être aussi une distraction. Parce que tous ceux qui viennent dans le studio, là, c'est un cas de travail. Donc, tu ne peux pas envoyer tout le monde pour venir là, pour créer cette distraction-là autour de toi. Ce n'est pas une bonne chose. On regarde
Les vidéos que les gens postent dans leur studio d'enregistrement, il y a toujours plein de personnes qui sont là et on ne sait pas forcément si c'est qu'est-ce que ces personnes à fond là. C'est comme si tu vas travailler, je ne sais pas, dans une société de, peut-être dans une boulangerie, dans une pâtisserie. Est-ce que quand tu vas travailler là-bas, tu envoies tous tes amis là-bas? Tu me diras non. Dans ce cadre-là, c'est important que quand tu vas dans un studio d'enregistrement qui est ton cadre de travail, tu as besoin des personnes qui vont collaborer pour faire ta musique. Tu as besoin des personnes seulement essentielles pour faire avancer ta musique. Ceux avec qui tu vas écrire ta chanson, ceux qui vont faire la musique, tu as besoin de ces personnes-là plus que ceux qui vont venir là jouer la comédie, jouer avec le téléphone. Quand tu es dans ton studio d'enregistrement, c'est pas le temps, c'est pas comme si tu es dans un truc de PlayStation où tout le monde est là, on s'amuse et on joue à un jeu. Faut prendre ta carrière au sérieux. Quand tu vas dans un studio d'enregistrement, va avec des personnes essentielles pour moins de distractions et pour faire sortir quelque chose de qualité. Donc ton entourage est important. Si tu avances, tu as besoin de personnes qualifiées autour de toi. C'est-à-dire les amis, ils vont rester tes amis, mais quand on parle de quelque chose de professionnel, c'est important d'avoir des personnes qui sont professionnelles. Ton manager doit être quelqu'un de professionnel. Si c'est ton ami que tu avais pris au départ et tu te rends compte que il n'arrive plus à suivre ta vision, là où tu veux partir, vous vous entendez, vous vous parlez et vous vous laissez en de bons termes. Et tu prends quelqu'un qui va dans la direction où tu veux aller. C'est très important en tant qu'artiste. Alors faisons attention à notre entourage en tant qu'artiste. Oui, faites attention à votre entourage. Essayez de nettoyer un peu sans forcément frustrer les gens. Il faut travailler avec des personnes qui peuvent vous envoyer loin là où vous voulez partir dans votre carrière. Alors c'était tout pour aujourd'hui. Regardez les vidéos précédentes et on se voit la prochaine fois. N'oubliez pas de cliquer sur la notification parce que Facebook, ils font ce qu'ils veulent. Si vous ne cliquez pas, vous n'allez pas savoir que j'ai posté une vidéo. Que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir suivi. À la prochaine.